faut savoir d'abord que le bois, lorsqu'on le coupe en travers, comme ça, quand les billons est assis, voyez-vous, il se produit toujours une fente dans le cœur, ou à côté du cœur, ce qui arrive fréquemment aussi. Alors on est obligé d'en tenir compte, parce que si je laissais, si je sciais les billes, n'importe comment, voyez-vous, pour tracer quatre sabots, par contre, dans cette bille-là, je vais donc trouver quatre sabots. Mais si je sciais n'importe comment, tout d'un coup j'aurais une fente ici qui serait dans le milieu de la bille, et puis le sabot serait perdu avant d'être fini. D'une branche qui a été coupée, je peux même le dire en plus, une branche qui a été coupée il y a déjà un certain nombre d'années, mais je ne pense pas que ce soit pourri très loin. Il y a un trou qui peut aller à 3 cm de profondeur, et après ça sera sain, on verra seulement le nœud, qui lui aussi serait susceptible de fendre. Mais en le mettant dans la semelle du sabot, ça ne risque rien. Ce qui fera du bois de chauffage. Et puis le reste, ma foi, il n'y a pas tellement de problème. J'ai suffisamment de largeur ici. J'ai suffisamment de hauteur et de largeur également pour ce deuil-là. Donc, 5 pouces ici. Oui, allez. Ah, tu vas y être un peu chaud là. Il s'agit de les centrer correctement. Maintenant, moi je sais que mon modèle est déjà centré d'une telle manière, puisque c'est moi qui le centrais, comme il faut pour que ça tourne à peu près rondement. Hein. Alors, j'ai la hauteur par mon petit bois, voyez-vous, comme ça, et puis le milieu, moi je le prends à vue d'œil. Seulement la queue du talon.
Alors ça, c'est le premier travail fait avec une cuillère, on appelle, hein, ce que vous avez vu fonctionner. Mais alors j'ai une autre paire de bouges aussi. Je les repasse tous une seconde fois. Et ces bouges qui ont deux branches en plus, celle-ci dans mon cas, font un travail beaucoup plus propre, plus soigné. Également ce qu'on appelle la coche du sabot. Ouais. Alors les gens dans les chez les sabotiers qui font ça là, au stade industriel, ils ont des encocheuses, des machines qui font ça automatiquement. Mais moi ma compétence ne va pas jusque là. Pour diriger le parois, mais il est conseillé de le laisser en arrière quand même, parce que sans ça il pourrait se retrouver diminué d'un centimètre. Et puis le talon, voyez-vous, c'est ce qui servait pour tenir le quartier aussi à la machine à sabot. Voilà. Un peu la semelle, voyez-vous, parce que la machine ne fait pas la semelle absolument droite comme une planche. Et si on ne faisait pas ce petit travail d'abrassage, disons que le sabot, il ferait